Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag et c'est le tag Beauty Makeup. Donc, Makeup Beauty plutôt. Mais donc, en fait, c'est un tag tout simple que vous avez vu dans le titre. Le tag se présenter et foudez-moi. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est juste que j'avais envie de donner mon propre nom marqué dans ce milieu de tag. Voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas surtout à liker à la fin de cette vidéo si ça vous a plu. Donc, à la fin de cette vidéo, si ça t'a plu. Lâche un petit like pour que je vois que ça te plaît et puis que tu en veux d'autres et là j'en ferai d'autres à ce moment. Maintenant, donc, quel est ton nom, Lotte? Comme le poisson, oui. Ton prénom, Emma. Ton âge, 13 ans. Oui, je suis née en fin d'année. Alors, ma classe, bah, je suis en troisième. Ma passion, c'est la danse et la fimo qui s'estompent très vite, surtout quand tu oublies d'acheter des trucs. La lumière devient orange. Voilà, c'est mieux. Donc, voilà. Ensuite, du coup, on va passer sur le tag foudez-moi. Du coup, alors, première question. Donc, j'ai ma petite feuille ici, dégueulasse, d'idole, d'il y a 4, 5, 6 ans. Bref, donc, thé ou café, moi je dirais thé. Ta marque de céréales préférée, sans, voilà, sans le temps de réfléchir, même si là j'ai pris bien le temps de réfléchir alors que je ne connais qu'une marque, Kellogg's. Voilà, Nutella ou confiture Nutella. Déjeuner sucré ou salé, sucré, voilà. Coca ou Oasis, je n'aime pas le coca à part quand il n'y a que de l'eau et du coca. Donc je bois du coca parce que je n'aime pas l'eau, mais sinon Oasis. Quel est ton plat préféré? Alors avant, j'aurais dit pâte bolognaise, si vous avez vu l'ancien qui a eu 77 vues. Si vous êtes une des vues qu'il a vues, voilà. Maintenant, je dis, de toute façon il va être supprimé, donc n'hésitez pas à aller le voir dès que vous le voyez, parce que dans une semaine, quand j'aurai le temps d'aller voir, quand je me serai remis à jour, j'irai le supprimer. Donc n'hésitez pas vite vite à aller le voir, mais voilà, pour faire des derniers likes qui disparaîtront dans une semaine, voilà, hein, ça me ferait plaisir, merci. Surtout likez les autres vidéos qui resteront, comme ça les likes se marqueront dans ma chaîne, avant d'être supprimés. Non, je déconne, bref. Continue. Donc, ton plat préféré, pardon, parce que je ne l'ai pas dit, c'est la pizza. Voilà. Bref. Ensuite, viande ou poisson? Je n'aime pas le poisson, donc viande. Ton fruit préféré? Alors, avant, j'aurais dit la clémentine, mais maintenant, je dirais le raisin. Alors, ensuite, ton légume préféré? Alors, avant, j'aurais dit... Oui. Épinard. Mais maintenant, je dirais la betterave, parce que j'aime bien la betterave. Ensuite, un yaourt ou fromage. Alors, ton food secret pour la bonne humeur, et bah, c'est mes amis, mais je les bouffe pas. Donc, tu vas partir sur quelque chose que tu bouffes. Hein. Et je dirais les bonbons. Voilà. Alors, la recette que tu arrives le mieux. Alors, c'est le taco omelette. Alors, cela vient de ma propre invention. C'est une omelette que tu mets en tacos. Ouais, sans le pain en fait, c'est l'omelette qui fait le tacos. Version Emma, hein, que tu cuis pas dans une poêle, que tu cuis dans une assiette que tu mets au micro-ondes. Évite de la faire brûler. Mets du fromage dedans, de la salade, des tomates, des ce que tu veux, ce qui te plaît, et voilà, et ça te fait un taco omelette. Voilà, c'est la recette d'Emma, merci. Donc ensuite,
Fast food préféré, donc comme j'avais dit une fois que je n'avais pas testé KFC et grosse déception. Voilà, je n'ai jamais encore testé Burger King, donc la prochaine fois j'essaierai de tester Burger King. Mais pour l'instant c'est toujours McDo. Et voilà, et peut-être que Burger King le rehaussera plus tard, peut-être dans 2 ans, hein. Voilà. Mais voilà, donc McDonald's. Cuisine étrangère préférée. Alors voilà, j'ai changé aussi, j'aime de la cuisine étrangère. Il y a le japonais, bah les sushis, mais sans le poisson. Voilà. Les sushis aux légumes, voilà, sans le poisson, ça j'aime bien. Il y a le pakistanais, parce que près de chez nous, il y a un restaurant pakistanais assez sympa et franchement, voilà, il est vraiment trop trop délicieux. Bref, alors ensuite, bonbons préférés, les coca bouteilles, voilà, les bouteilles, donc les bisbis, non bisbis, les bubsy, je sais pas trop le nom, voilà, et les canettes de coca. Alors, hate food, comme je l'ai dit, c'est le poisson, et une fois, j'ai vraiment été trop dégoûtée. Au collège, en fait, il y avait du poisson emballé et je savais pas que c'était du poisson parce que je savais pas qu'on l'emballait des fois dans du papier chelou. Vous voyez à peu près ce que c'est. Et en fait, quand j'ai ouvert, il y avait le poisson entier. Il y avait l'œil. Il y avait l'œil. Tu te fondue ou raclette? Moi, je dis raclette parce que je n'aime pas trop la fondue. Et food addiction, les bonbons, le Nutella, les légumes, non pas les légumes, les fruits, donc les raisins. Bref, donc voilà. Donc voilà, c'est la fin de ce tag. J'espère qu'il vous aura plu. Si t'as plu, n'hésite pas à liker parce que j'étais vraiment trop trop contente de faire cette vidéo. Et ensuite, je crois que je vais en tourner une autre. Je ne sais pas. Bon bah allez, moi je te fais de gros bisous et je te dis ciao ciao.